tous, je suis Cécile Lostiste, Milizac, près de Brest. J'ai deux enfants, placés chez le père violent aussi, alcoolique. Et ça fait plus de 10 ans que je suis combattant. Depuis quelque temps, je suis aidée avec Hélène Lombard, Rick Garnier et puis Nadine Festan, Côte d'Armor. Mon ancien mari m'a tout le temps cassé le bras chez 6% d'invalidité depuis le 19 novembre 2009. Il m'accuse de beaucoup de choses. Je vais sauter régulièrement en gendarmerie. Devant les juges, tout est à charge contre moi. Les jugements sont à charge contre moi. Et on essaye de me mettre sous tutelle en me faisant passer pour folle. Et tout est bon. J'ai perdu mon travail aussi suite à la garde à vue. Enfin, j'ai été critiquée au travail aussi, j'étais soignante. Je suis en recherche d'emploi. Je cherche donc du travail. J'ai une expertise quand même orthopédique qui dit que j'ai 6% d'invalidité. Enfin, si ça a été bien fait par la justice. Et mon ex-mari, qui était marin d'État, est protégé par l'armée. Alors que moi, je travaille dans le privé. Autrement, je ne vois plus mes enfants depuis le 20 janvier 2019. Le juge aux affaires familiales de Brest, le président du tribunal, M. Minguer, a retiré tous mes droits. Donc je vais essayer de faire appel. Le juge des enfants, j'ai pas de résultat. Je sais pas, c'est compliqué même pour donner des chocolats, un t-shirt. Il faut demander au père, il faut demander aux éducateurs. Comment on profite de ma timidité ou ma réserve, gentillesse, enfin. Pour dire tout et n'importe quoi. Les enfants ont 13 ans, 8 ans. Et sinon, il y a une organisation mafieuse, j'ai même des problèmes. Tout est bon, comme j'ai eu un héritage de parents décédés suite à des cancers, on essaye de avec la banque, on m'a mis une fois sans chéquier. Pour deux chèques refusés que j'ai payés ensuite. On essaye de. Au niveau de la maison commune aussi, lui il occupe, alors que pourtant c'est moi qui a subi les violences conjugales, c'est pas lui. Il m'accuse à sa place maintenant. Et on veut me faire une expertise psychiatrique pour me mettre aux tutelles, mais je refuse. C'est du chantage. Si je fais l'expertise psychiatrique, j'ai le risque d'être mise sous curatelle ou tutelle. Donc c'est du chantage si je veux avoir un petit droit de visite. Quoi. Enfin, je fais appel à la cour d'appel de Rennes, où je viens de Brest. Autrement, on essaye de faire passer même mon fils aîné plus ou moins un handicap aussi, parce qu'on est à l'école en PAP. Et je ne vois pas tous les dossiers, que ce soit dans les tribunaux. J'ai demandé. J'ai été en cour de cassation, j'ai pas le dossier, au juge des enfants. À la cour d'appel de Rennes, j'ai pas le dossier. Au tribunal de Brest, le 12 février, j'avais été toute seule. J'ai demandé au juge de voir le dossier. Il m'a dit qu'il y en a pas. Autrement, donc là, c'est au niveau pénal. Régulièrement, là, les gendarmes n'arrêtent pas d'aller chez moi. Ils m'ont mis en garde à vue, menottée. Ils me mettent la pression. Tout est bon, je ne sais pas ce qui va m'arriver à la fin. J'ai été internée un mois aussi quand même, pour une bronchite chronique, fin 2016. C'était assez comique quand même. Oui. Et donc après, dans chaque jugement, suite à ça, les avocats, même ceux qui m'ont défendu, ils mettent ça dans les jugements. Ils le disent et du coup, ça a fait du tort contre moi. Ils essayent encore, mais enfin, si je vais à l'hôpital, il faut essayer de me faire sortir quand même. Moi en prison, si j'ai des menaces avec les gendarmes, ils me tutoient, on va te mettre en prison, t'es pas marin, t'es pas militaire. Tu vas aller à l'Ermitage, la prison de Brest. Enfin, voilà. Et autrement, je m'inquiète pour mes fils parce que comme j'ai été battue, j'avais des coups de pied quand je vivais avec M. Lesné de Villers à côté de Brest. Même s'il était dans les sous-marins, ça lui donne pas le droit de tout faire. J'avais des coups de pied, des claques, des insultes. Traiter de tout et mes enfants, on leur dit maman est malade, ils sont élevés à la dure avec lui et puis il a quand même raison, il a réussi à inverser la situation. Quoi. Et aussi au niveau professionnel, ça peut être compliqué si jamais j'ai un casier aussi.
parce que du coup, ça va me fermer des portes dans la santé. C'est assez strict pour ne pas avoir fait quelque chose, même si je suis innocente, je suis accusée quand même. Ça m'a fait passer 5 minutes. Merci, Cécile.